Ah, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Et aujourd'hui, nous partons chasser des infectés. Et ouais, je vais vous montrer le jeu Dying Light, un jeu de mort-vivant, donc des infectés. Vous allez voir, c'est assez pas mal. Je fais cette vidéo avant parce que ça n'a pas réussi à enregistrer le début. Donc je vous laisse découvrir avec moi le jeu Dying Light. C'est parti, générique. Si je peux créer des kits de soins ou des armes, on va voir. Donc, tac, comme ça je vous montre un peu. Donc là c'est les plans. Donc là je peux faire des flèches de justicier. Munition pour l'arc. Bon, pour l'instant j'ai pas d'arc, donc je fais pas. Bâton de motard nocturne. Envie de chasser des gros gibiers. Hein. Ok. Couteau de motard. Je sais pas si j'en aurais besoin ça. Je préfère garder le reste. Donc là, vous voyez des flèches. Ah, kit de soins, je peux pas. Vous voyez là, il faut que je trouve de l'alcool, des gaz. Par contre, shuriken, ça c'est important. Ah, oh, shuriken enflammé. Ouh, celui-là il est pas mal. Vous n'avez pas de place dans votre inventaire, d'accord. Génial, je vais aller voir ça. Donc là, je suis à l'abri. Hein. Je suis à l'abri. Stockage, qu'est-ce que je vais. Ouais, shuriken amélioré, c'est pas mal ça. Donc là les pétards c'est pour me protéger, je lance et les zombies vont aller sur les pétards. Ouf, mes armes sont pas. Vous voyez là, tout à droite, on voit résistance là, 837, donc il faut que je les répare. Bon, ça va être bon. Alors, plan. Je vais faire flèche. Shuriken enflammé. Mince. Crochet, ça c'est important pour les coffres justement, parce qu'il y a beaucoup de choses à trouver, à chercher. Donc voilà, bon allez c'est parti, on y va. Donc là je dois aller au point jaune là, sur la mini carte en haut à droite. Oh là, faille. Ah, ils m'ont entendu. Ah, il y a un coffre là, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai plus d'armes. Hein. Ah, ça va être chaud. Je peux pas les réparer. Non, je peux pas les réparer. Hein. Mince. Faudrait que je trouve une arme. Ce serait bien. Alors, tac. Vous voyez, hein, il y a plein de choses à trouver. Donc là, je vais passer un peu à ce moment-là. Je vais aller directement pour vous montrer. Ah, attendez. Directement la mission. A tout de suite. Heureux, voilà. On arrive bientôt à la quête principale. J'ai trouvé une arme. Donc voilà, il y avait deux mecs là qui voulaient m'attaquer. D'ailleurs que je vous montre en haut de la vidéo. Alors, tac. Nous arrivons bientôt. Je passe un peu parce que là je joue sur la PS4.
Et donc sur la PS4 on peut enregistrer que 30 minutes. Ah c'est Je bon, on viens arrive. voir Rice, c'est Brecken qui m'envoie. Brecken, c'est Oh par contre. Bruti dans sa tour. Alors il veut quoi, Brecken? Il veut passer un marché. Quel genre? Le genre qu'on passe avec Rice, pas avec ses larbins. Ok, qui passe? Je sens que ça va être amusant. Ok, c'est parti. D'accord. Ouh, il y a du monde. On est amis depuis combien de temps, Osman? Ça fait très longtemps que nous nous connaissons. C'est pour ça que je suis extrêmement J'ai hâte d'avoir des armes là. On s'est pas déjà vu. Mais je te donne une chance. C'est simple. La main droite ou la main gauche. Oh, c'est quoi ce bordel? Ah! Oh, lui a coupé le bras! Tu parlais de ma Ou la bouche, main. De la tienne. Juste la main. Super accueil, hein. Toi, tu viens de la tour, ça se voit. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais passer un marché. Un marché pour de l'antisine. Écoutez Faut un peu la voix si vous avez un peu regardé la série The Walking Dead. Écoutez Les bien services, la voix ta loyauté, de mon personnage. Je vais peut-être prendre les deux. Va parler à Karim, c'est l'un des nôtres. Fais ce qu'il te demande. Et Rice donnera peut-être de l'antisine à tes copains. Compris? Je crois que j'ai pas vraiment le choix. Quelle perspicacité! Je sais pas si vous avez entendu, mais c'est la voix du chinois. Ouh, une arme. Une machette. Cool. Alors, on peut lui parler à lui? Non. D'accord. Allez. Je vais aller par là. J'ai rencontré Rice. Jade a raison. C'est un psychopathe. C'est aussi l'agent qui a doublé le GRE. Et je dois maintenant coopérer avec cet enfoiré. Pas seulement à cause de ma mission, mais parce qu'il stocke des tonnes d'ordizine. Putain de virus. Alors. Allez voir car. Ok, pas de soucis. Ah, te voilà. Rice m'avait prévenu de ton arrivée. Je suis Karim. Rain. Un américain. J'ai un oncle là-bas, au Texas. Tu viens? Je viens On va de Chicago. Passer, hein. Okay. Sinon, ça va durer un peu longtemps et j'ai déjà vu en plus l'histoire. J'ai déjà fait le début. Il y en a un peu au début du jeu, donc voilà. Contact dénigré. Ok. Je viens de rencontrer Karim. C'est un peu l'homme à tout faire de Rice. Son larbin en chef, en gros. Karim m'envoie réparer une antenne pour Rice. J'adore vraiment faire le garçon de course. Allez. Je dois sortir. Oh, il y a du monde là. Ok. Allez, c'est parti. On y va. Oh, j'ai dû regarder la carte avant. Ah, bah ça va, c'est à côté. Ok, je contacte Gray. Rain. Au rapport.
J'ai rencontré Rice. Pas de doute, c'est Suleiman. Ce type est un malade mental. De politicien sans scrupules, il est passé à chef de guerre. Est-il au courant de vos liens avec nous ? Non, il croit que je suis juste un gars de la cour. Il me teste pour voir s'il peut me donner de leur tisine. Bien reçu. Continuez à lui obéir. N'oubliez pas qu'il nous faut ce dossier. Super. Crane, terminé. Bon, on travaille pas au gré, là. Je fais un peu mon espion. Alors, je vais aller où ? Carte. Carte. Ok, c'est ici, d'accord. C'est parti. On y va. Hey, Al Capone, t'es prêt ? Tu dois faire quoi exactement ? Les communications radio sont mauvaises dans la zone de quarantaine. Ces modulateurs vont amplifier le signal. Et Rice pourra communiquer avec les avant-postes les plus éloignés de la ville. Tout le monde en profitera. Pas seulement Rice. Peut-être. Et un empereur doit gérer son empire. Il y a des trucs ou pas à prendre là. Ok, alcool, ça c'est bien. L'alcool c'est pour se soigner. C'est... On va voir si on peut. On peut mettre. Alors, plan. Oh, cocktail, je peux faire. Oh, cool! Je peux faire des kits de soins. Je peux en faire deux. Ça, je vais faire des cocktails. Ça, c'est bien. Hop là. Je vais voir s'il y a deux trucs. Ouh, pièce métallique. Ça, c'est bien. C'est pour réparer les armes. Donc là, celui-là. Hop. Ah, ça, c'est bien. Réparer. Vous avez vu. Je peux réparer. Voilà. Là, c'est bon. Ça permet d'être plus efficace contre les infectés. Ah. Oh. Ok, nickel. Allez, c'est parti. On y va. Je fonce hein, pour pas que la vidéo soit un peu trop longue. Ouf. Oh non, pas cela. Et merde. Et merde. Je cours. Hein. Ils font mal ceux-là. Karim, tu es la première antenne. S'il n'y a pas de courant, tu vas devoir l'activer. Il y aura un interrupteur dans le petit bâtiment, au pied de l'antenne. Et merde. Je suis obligé de les tuer. Eh ! Attends. Je suis ici. Ah c'est bon, je l'ai tué. Ok. Attends, j'ai ici la tête. Mais j'ai pas de truc explosif là. Putain, même à la tête ça. Oh,
Ok. Oh là là. Oh cool. Ah. Ce coup de bordel. Ah, ça a explosé quoi. Ok. Pas le moment de... Mais comment je... Ah, ah. C'est quoi ce bordel? Oh merde, j'ai dû laisser pour lui. Comment je vais faire ça? Oh, connard, pardon. C'est chaud, hein. Raté. Je l'ai mort. C'est bon, il est mort. Oh, je vais finir. J'ai l'impression qu'il y a du monde dedans. Oh. C'est bon? Ah bah dis donc. Oh putain, il y en a encore. C'est chiant cela. Cigarette. Cigarette. Alors. Ouais, il y a aussi des trucs. Ah, j'en ai 28, hein. Non. Tu veux pas? Voilà. T'es bon. Nickel. Juste pour ce 50$. Nickel. Alors 162, ça va permettre aussi d'acheter des armes, hein, les sous. C'est bon. Et après
D'accord. Là, j'ai allumé ce putain de courant. Bien, maintenant, grimpe tout en haut. Ok, je dois grimper tout en haut. Je monte comment? Eh. Ah, c'est bon. Ok, allez. Oh! C'est quoi ce bordel? Oh, les enfoirés! Il y avait un trou. Ok. Vous avez vu, hein, il est super beau comme jeu quand même. Il n'y a rien. Ok, je monte. Allez, c'est parti. Je suis loin encore. Allez, monte. Monte. Avance, je voulais dire. Après. Je vais aller par où? C'est quoi? Je peux monter? Je sais pas comment après. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Je suis perdu là. Utiliser, d'accord. Mince, R1. Oh! Que je utilise. J'ai réparé mon arme. Voilà. Ok, c'est par là maintenant, la suite. J'entends un hélicoptère. Je vais aller par où maintenant? Je sais pas où aller. Je vais aller de l'autre côté, d'accord. Et après. Putain. Oh là là là, quelle galère. Ok. Après. Je suis bloqué. C'est bon,
J'ai trouvé. D'accord. D'accord. Oh, je suis bloqué. Bordel. Non. Non. Bah attendez. On se retrouve en haut. Ah voilà, j'ai trouvé un peu où il fallait aller. En fait, j'étais arrivé. Voilà, j'ai coupé pour rien. J'étais arrivé et c'est ici, tu vois. Hop. Voilà. Oh merde, Karim! Quelqu'un a déjà massacré le truc pour récupérer des pièces! On peut plus rien allumer là! Merde! J'avais un peu peur de ça! Mais bon, merde! Rejoins la tour d'antenne suivante, elle est pas très loin! Sérieux? C'est et pas fini! La tyrolienne et part vers l'est! Tu la verras! Tyrolienne est où, tyrolienne? Wouhou! C'est long, hein. Je pense que la vidéo va être assez long. Ah. Vous voyez, maison rouge. Ça permet d'être en sécurité, hein. Comme vous avez vu au début de la vidéo. Mais là, c'est en rouge. Ça doit être en vert. L'émetteur est foutu. En rouge, ça veut dire qu'il y a plein d'infectés. En fait, il faut nettoyer la zone pour pouvoir y accéder. Alors, tac. C'est loin leur machin là. Non, j'arrive bientôt. Ok. Je vois la tour. Ok, la tour est là. Karim, je suis près de la deuxième tour d'antenne et la clôture est électrifiée. Je crois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est sûrement Alexei. Peut-être Christophe, son fils. Il me fatigue, ces deux-là. Ne les laisse pas te parler. Ah, j'ai une idée. On doit entrer et activer cet émetteur. Le survivant est mort. Ah, il y avait un survivant. Vous voyez, hein, des fois, il y a des survivants. Est-ce que tu veux... On peut les protéger. Escalader la tour. Quelle idée. Pourquoi faire? Ouais, pour Rice. C'est lui qui me l'a demandé. Rice? Tu ressembles pas à un de ces hommes. Bon, je vais contacter Rice et lui dire que vous voulez pas me laisser passer. Quoi? Non, 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 j'ai jamais dit ça. Si tu veux grimper, très bien, vas-y. Si vous voulez, hein, mettez-moi en commentaire. Si vous voulez, je peux faire aussi des lives dans ce jeu. Hein. Donc dites-moi si ça vous tente. Ce sont des meurtriers et on travaille pour eux. C'est fermé là. Je peux pas monter par là, mais ils sont cons quoi. Si tu continues comme ça, on est mort. OK, OK, OK. Comment je vais monter? C'est une casse-tête là. Oh le con. Bon, je vais faire comme tout à l'heure, hein, pour éviter que ça soit un peu trop long.
Ah, attendez un peu. Je vais voir s'il y a des trucs là. Ah, planque, ok. Ah, cool, je peux dormir à la nuit. Jusqu'à la nuit. Ok. Bon, je vous. Je vous dis à tout de suite. Voilà, nous revoilà. Enfin, devant le machin. J'ai galéré, en vrai. Je vais pas vous mentir. Voyons si ça en valait la peine. Hé hey Karim, le deuxième émetteur est en état de marche. Ouais. Fonctionne? Karim, tu me reçois? 5 sur 5, beau travail. Tu connais le chemin pour c'est rouge. Le droit. Ouais, 5000. Alors, demandez votre récompense. Donc là, j'ai terminé. Allez, c'est parti. Je rentre à la base. D'ailleurs, vous avez pas encore vu la base. Il commence à faire nuit. Quand il fait nuit, c'est mauvais signe. En fait, il y a des infectés qui sont très très forts la nuit. Activer le piège, je ne sais jamais. C'est toi, hein? Rim? Pour les antennes. Brecken me l'a dit. L'indication est parfaite maintenant. Bon oh, il fait nuit. Service à tout le monde, et surtout au docteur Serré et au docteur Camden. Il n'y a plus de parasites sur la ligne depuis. C'est la première fois en fait. Ah. On se voit à la tour. Oh, il y a trop de. D'infectés là. Vous avez vu, hein, la nuit, il y en a beaucoup plus. Oh non! Dégage! Vite, vite, vite! Oh, oh j'aime pas la nuit. Piège. Ah, c'est bon, j'arrive bientôt. Par contre, t'es fatigué. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Ah non, c'est pas la base encore, hein, c'est. Hein, c'est vous savez. Kyle Crane? Et vous êtes? Je m'appelle Troy. Je dirige un petit groupe de survivants dans le secteur 0. On s'est baptisé les Ombres. Le secteur 0. Ouais, j'ai pas attendu la fin de l'appel. J'ai terminé le boulot. Je dois maintenant retourner voir Rice et obtenir l'antizine. Pas combien de temps la vidéo va durer, on verra. Ok. Parfait. Non seulement tu as mené à bien la mission pour Karim, mais tu es revenu entier. Bravo. Je peux avoir de l'antizine maintenant? Tu pensais me satisfaire aussi facilement? Tu as encore beaucoup de choses à prouver. Écoute, on a vraiment besoin de médicaments. Moi et je reviendrai plus tard faire ce que tu veux. Tu auras l'antizine quand moi, je l'aurai décidé, pas... Oh là là, c'est qui ce mec là? Je suis magnanime. Si tu as accompli toutes les tâches que je te confie, tu n'auras pas une, mais deux caisses d'antizine. Très bien, entendu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce sera un peu différent de ton exploit sur les antennes. Il te faudra être un peu plus persuasif. Imposer sa volonté. Créer ses propres règles. C'est à ça. Qu'on reconnaît un homme. Tu fixes tes propres règles, Crane. Ou bien tu sers de marionnette à quelqu'un d'autre. Je crois connaître la réponse. Va parler à Karim avant que je décide que tu n'en vaux plus la peine. Voilà, j'ai terminé la mission. Point de compétence acquis, ok. Tu veux l'enjoindre, quitter le bâtiment. Oublie ça. Ok, je vais aller là. Ah, mon ami. Rice t'apprécie, c'est évident. Comment ça? Si c'était pas le cas, tu serais plus en vie.
Bon, vas-y. Mais attention. Bon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un max de pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'avez pas fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!